Jodia, Jodi moins 18, le 9 octobre, de façon irréversible, les élections vont se tenir. De façon irréversible, les élections vont se tenir. Les sceptiques qui ne croyaient pas que le gouvernement était engagé pour réaliser les élections, Jodia, face à une machine qui n'est pas arrêtée encore. Le calendrier électoral tel qu'il a été préparé suit son cours et pas aucun retard dans l'exécution du calendrier électoral. Moun qui croit qu'il était impossible pour l'État haïtien de mobiliser les fonds requis par le Conseil électoral, je dis avec satisfaction, donc a dit, sans faire dégringoler la stabilité macroéconomique, sans nous pas faire recours à la planche à billets, l'État a pu décaisser jusqu'à aujourd'hui 25 millions de dollars américains des fonds du Trésor public pour financer les prochaines élections. Ce qui reste, c'est la question de sécurité. Matin, je prends note de certains cas d'agression qui fait sur des candidats. Côté que m'a présenté sympathie à candidats qui sont victimes des actes d'agression, et m'a exhorté le Conseil électoral, m'a exhorté le gouvernement, m'a exhorté le CSPN, m'a exhorté le directeur général de la police et ses collaborateurs, zéro tolérance. Aucun cas d'insécurité pas bien doit perturber le processus électoral. Ça, élection, ça est trop important pour avenir pays, à monsieur, dame. Tout ça nous dit là, que c'est pour nous préparer un programme d'assainissement dans le pays, que c'est pour nous préparer un programme d'accès à l'eau potable, que c'est pour nous préparer un programme d'hygiène publique, ça manque de stabilité politique, ça manque d'autorité légitime, ça manque de monde qui a une capacité pour gérer le pays. Tout le monde qui compte l'élection, il y a un choléra fini dans le pays d'Haïti. Pas répéter. Tout le monde qui croit, il a perturbé le processus électoral, il y a plus de monde qui est victime dans l'épidémie de choléra. Élection va le faire, ouais par ouais. Vle par vle, élection a fait. Élection sa yo, yo pas la seulement pour porter autorité sous pouvoir. Compatriotes nous, qui a quitté le pays, qui pral aller dans l'autre pays, c'est parce que le pays a jodi a pas offrir rien. C'est parce que le niveau de misère est trop fort dans le pays. Comment nous ka combattre la misère si ce n'est pas investissement qui fait dans le pays? Comment investissement a fait si pas de stabilité? Qui ça a mené stabilité? C'est l'élection. Donc, l'élection, yo important pour nous combattre le choléra, yo important pour nous créer job dans le pays, mais yo important tout pour l'avenir du pays. Moi, je dis plusieurs fois, messieurs, dames, sans élection, le deuxième lundi de janvier 2017, pas de gouvernement. Ou bien moun ki la yo comme ministre yo pas gen légitimité. Moi même tout m'ap sans légitimité. Le parlement sera dysfonctionnel. Il n'y aura pas comme aujourd'hui, il n'y a pas de pouvoir judiciaire parce que la cour de cassation gen 2 grain moun sou 12 qui gen légitimité constitutionnelle. Donc c'est l'effondrement de toutes les institutions républicaines. Qui monde qui a intérêt ta ouais de deuxième lundi janvier que toutes les institutions du pays soient dysfonctionnelles. Et c'est ça l'importance élection. Élection yo, niveau de pauvreté, niveau de misère, niveau de sous-développement, yo mandé pour des monde qui prend charge de ce pays. Pays a pas gain corps. Nous sommes fait un pile effort pour nous financer l'élection. Pour que les gens aient une capacité pour aller chercher le corps qui vous fait développement pays. Par rapport à l'élection, nous venons expliquer l'importance pour le pays, m'expliquer l'opportunité, mais l'immense tout que les acteurs politiques sont tolérants. Le meeting doit être fait dans la paix, dans le respect l'un pour l'autre.
Et la police, c'est la seule force publique qui a autorisation, qui a mandat pour autoriser les gens pour des armes dans le pays. La police joue pour vous. Candidat, exhortez les partisans à la tolérance. Exhortez au respect des autres candidats. Gouvernement est déjà affirmé, lui réaffirmé, et je dis à ma réaffirmer, nous pas de candidat. Nous demandons tout commissaire du gouvernement, c'est par lettre de nomination du ministre de la Justice, signé du premier ministre, que répondent à leurs devoirs envers la nation. Ce n'est pas une institution indépendante. Les parquets relèvent du pouvoir exécutif. Parce que les gens qui ont été nommés par l'aide du Premier ministre, ils recevront l'ordre du Premier ministre. Et les nous baillons l'ordre que pour abstenir de toute interférence dans le processus électoral, ils ont respecté, ils n'ont pas nul droit pour contester les actes du gouvernement. Ils n'ont pas d'accord avec eux, ils ont démissionné. Un commissaire du gouvernement, parce que c'est une instruction, il n'a pas respecté qu'elle démissionner. Il n'est pas élu. Les bons pouvoirs indépendants, que ça soit clair pour tout le monde une fois pour toutes. Deuxièmement, délégués, vice-délégués, directeurs départementaux, machine l'État qui n'en met nous pas qu'à faire campagne pour candidats. Délégués, vice-délégués, directeurs départementaux, fonctionnaires de l'État, machine que l'État mette dans le service nous, ils n'ont pas qu'à faire campagne pour candidats. Quel que soit responsable qui fait là, des sanctions disciplinaires seront appliquées immédiatement. Nous voulons que l'élection soit faite sans interférence aucune des autorités. C'est la seule garantie que l'élection soit neutre, crédible, démocratique, que le cas transparent. Candidat, je vais exhorter nous pour exiger pour le conseil électoral là rendre transparent toute décision que la prend. Comptage vote pour faire en présence candidat ou représentant.